Boum. Et là, les gars, on passe à la blessure. Là, c'est immobilisation pour quelques temps. Kiné très vite, quoi. Kiné, t'es pro, tu vas chez Kiné tous les jours. Hein. Yo, la Delta Family, c'est comment? C'est la grosse moula qui casse la tête, les gars, les frérots. Pourquoi? Bah parce que là, c'est direct, on va aller voir tout simplement l'IRM. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans les genoux, les gars? Qu'est-ce qui va pas, les gars? Pourquoi le genou est parti droite, gauche, craque? Qu'est-ce que ça a arraché, finalement? Donc, tout simplement, on va aller checker ça. On va aller voir à Lyon. Donc, au début, tu as capté, j'étais à Poligny. J'ai demandé à droite, à gauche, des médecins du sport. Les gars, ils sont tous à, je sais pas, à Cancun. Les gars, ils répondent « app ». Donc voilà, ça casse la tête. Donc heureusement qu'il y a un gars de l'équipe. Donc Kevin, il m'a dégoté un petit truc là sur Lyon. Du coup, j'ai pu voir un médecin du sport, dégoté un IRM le lendemain. Donc franchement, c'est une chance déjà. Voilà, c'est une grosse chance d'avoir ça. Donc on va voir ce qui se passe. Hein. J'espère que voilà. Mets un pouce bleu, c'est comme si tu croisais les doigts déjà pour savoir en gros le résultat et que ça soit un peu plus positif que négatif, les gars. Parce que je peux vous dire que si y a opération, c'est beaucoup plus chiant, beaucoup plus embêtant pour s'en remettre. Et s'il n'y a pas opération, et bah, ça sera du moins plus facile pour revenir en tout cas. Donc voilà, dites-moi aussi en commentaire si vous êtes déjà blessé au genou. Et si oui, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Et voilà, on en parle les gars, tout simplement. Là, on est sur la route, on dirait. C'est pas moi qui conduis. On est là avec les béquilles déjà, les gars, on est prêts. Punaise. Un peu mieux en fait, une fois que j'ai fait l'IRM, déjà lui va me dire un peu de ses connaissances, et puis moi derrière je vais direct voir le médecin du sport pour savoir ce qu'il en est, ce qu'on fait, comment ça se passe. Et puis voilà, il n'y a pas de secret, voilà, on fait plus vite. La famille, c'est comment? Bon, là on vient d'arriver au truc d'imagerie, là je sais pas quoi, mes fesses. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Punaise, moi je galère, en plus faut pas trop que je m'y gonfle. Je galère, les gars, je suis pas un gars qui est fait pour avoir des béquilles. Béquille GoPro, je connais, c'est stylé. Je galère de fou. Juste, j'espère qu'ils vont pas me dire ouais, du coup, on doit vous mettre un truc dans le nez au cas où vous avez le Covid. Moi, je suis pas prêt à avoir un truc dans le nez. Laisse tomber. Mais quand même, quoi, t'as bien tapé, c'est pour ça que tu mets une attelle, hein, ton genou il va rester gonflé. D'accord. Ça va pas aller en 3 jours, hein, fais gaffe, hein, t'en as pas un moment là. Faut vraiment bicheler, ton genou, faut t'arrêter quelques temps. Après, tu vas peut-être être opéré, mais peut-être pas, après tu pourras peut-être reprendre, mais tranquillou. Là, il est vraiment énorme, quoi, t'as un gros genou, t'as vraiment aligné bien comme il faut, t'as fait une espèce d'infection, quoi. Bon, les gars, résultat, d'accord, directement dans ce papier-là, on va l'emmener au docteur qu'il faut. Et puis, les gars, on va voir, hein. On va voir ce qui va se passer, tout simplement. On va voir ce qui a été écrit dessus, les gars. Il y a du CD, en tout cas deux CD. Punaise, ils ont cru que j'allais regarder un film ou quoi. Allez, les gars, c'est parti. On va voir le docteur et on va voir ce qui se dit. Voilà, les gars. Donc, on a été voir le médecin, on a été voir tout ça. Et du coup, il nous a donné les petits résultats. Ok. Donc voilà. Je crois que c'est par CD ou un truc comme ça. Attends, je vais poser la cam ici, hein, mon gars. Je suis en train de regarder l'ARN du shopping. Bon, attends. Les espèces de CD, mais je crois qu'on peut pas lire là les IRM ou quoi. Donc en fait, le verdict, mon gars, il est tombé et je vais te le montrer ici, les gars. Voilà. Donc en gros, si tu regardes bien, en gros, c'est rupture des ligaments croisés, donc LCA, donc rupture complète, et puis avec une fissure du ménisque. Donc voilà, les gars, ça va être très compliqué. Ça veut dire qu'en gros, ma saison est dead. Donc voilà, pas de saison de basket. Et puis voilà, les gars. Juste, j'ai pas 50 mots pour cette vidéo, les gars. À la prochaine. Respecté le docteur, il y a une rupture du ligament croisé antérieur et il y a le ménisque aussi qui est abîmé. D'accord. Ça va pas aller en 3 jours, hein, plus gaffe, hein, t'en as pas un moment là. Plus tu vas, moins tu vas être auditionné, plus tu vas garder comme ça. Hein. Okay. Et moins tu seras opéré rapidement. Ok.